lâche de la peau ton ange. Il m'ennuie. Il m'ennuie. Moi ta douce, moi ta jolie, moi qui partage ton lit. Vois-tu l'étrange animal qui veut bien ouvrir le bal. La parade nuptiale. Ouvrir le bal. Delphine Coutant se produira en concert ce samedi 5 avril 2014 à l'espace Bellevue de Jétigné, programmé par la ville de Clisson. Spectacle intitulé Parade nuptiale. Pour ce concert, elle sera accompagnée par les élèves de l'école de musique Artissimo de Clisson. Collaboration préparée en réunion lors de la saison passée. Nous avons rencontré donc Delphine Coutant avec mes collègues Céline Etterier, prof de FM Artissimo, et Hélène Checo. Et nous avons fait un déroulé de séance pour, aujourd'hui, notre projet d'établissement, nous sommes vraiment sur des pratiques amateurs liées à des pratiques professionnelles. Donc aujourd'hui, c'est 70 élèves, enfants, qui, donc ça oscille entre 4 ans et 16 ans, qui vont participer à la restitution avec Delphine Coutant pour parade nuptiale. Une collaboration qui peut apporter beaucoup aux enfants. C'est travailler ensemble, c'est se rencontrer, c'est que les classes arrivent à se mélanger. Travail de création également, grâce à l'intervention de Céline, prof de FM, Hélène Checo et Delphine. Donc ça a été vraiment un travail de partenariat. Parade nuptiale, un spectacle qui a déjà du succès dans notre région. Alors oui, c'est vrai qu'il a pas mal existé dans le coin, déjà parce qu'on l'a créé dans la région Nantes, à Notre-Dame-de-Mont aussi. Donc on a pu pas mal jouer dans ce coin-ci. Après, on l'a aussi exporté. On a été jouer en Alsace, on va jouer dans le sud. Mais c'est aussi la fin, on peut dire, de la tournée des parades nuptiales, puisqu'elle a commencé début 2012. Ça correspondait à la sortie d'un album. Et du coup, moi, je suis super contente de la terminer avec tous les enfants là, de l'école de musique. C'est une belle aventure. Une expérience intéressante que ce travail avec les enfants, mais qui change la physionomie du spectacle. Alors, ça va pas mal la changer, mais ceci dit, il y a eu une vraie... un vrai enthousiasme, une vraie concentration pour essayer de vraiment se mettre dans l'univers en fait des parades nuptiales, parce qu'il y a un univers qui est assez fort, y compris dans les parties prises visuelles, chorégraphiques. Donc sachant que eux leur premier moteur c'est la musique, là c'était aussi le pari de les emmener aussi dans l'esthétique un petit peu visuelle, et ça a été super chouette d'y réfléchir ensemble, que moi je leur explique pourquoi c'était important aussi cet aspect, cette poésie visuelle. Et j'ai trouvé ça vraiment très agréable, tout d'un coup, toutes les idées, toutes les questions qui se sont posées aussi à ce sujet. Expérience qui n'est pas une première pour Delphine Coutant. Avec Scène de Pays dans les Mauges, à Beaupro, je l'ai fait du côté de Guérande, je l'ai fait aussi en Vendée, donc moi j'adore ces moments à la fois de transmission, de partage, et quelque part la transmission aussi, ce qu'elle a de chouette, c'est qu'elle se fait presque dans les deux sens, c'est-à-dire que moi je reçois beaucoup aussi d'eux. Et ça me questionne, enfin, par rapport à ce qu'ils peuvent soulever aussi comme... comme interrogation. Moi, ça m'oblige tout le temps aussi à affiner un petit peu le pourquoi des choses, pourquoi je fais comme ça, pourquoi je suis dans ces thématiques-là, qu'est-ce qui me tient en tant qu'artiste aussi. Il y a beaucoup de questions sur mon métier, sur le choix de faire de la création. Donc ça m'apporte aussi beaucoup à titre personnel. Vous
voulez assister à cette collaboration entre Artissimo et Delphine Coutant, parade nuptiale, direction salle Bellevue de Jétigné, samedi 5 avril à 20h30.